Vêtu de noir et banderole en main, le chef du canton Vouribouélet et ses notables s'opposent à la création d'un nouveau canton sur leur territoire. Pour manifester leur désaccord, ils ont fait irruption à la cérémonie de désignation du chef du canton Vouri-Sandié, nouvellement créé par l'État. Nos camarades du parti se permettent de diviser notre canton, le canton Vouribouélet. Aujourd'hui, on appelle le nouveau canton Sandié. Il y a les cantons maintenant, les Sandié, les Tandamé, on ne comprend plus rien. Je demande au chef de l'État qui a toujours prôné la paix, l'unité nationale, d'intervenir. Un mécontentement aux allures de retournement de veste, selon le préfet d'Uncam. Ce que vous appelez les chefs contestataires, ce sont ces gens qui ont amené les financiers pour pouvoir immatriculer le terrain. Et aujourd'hui, ne sait pas ce qui les a divisés et commence à s'opposer. Pour le chef du nouveau canton Sandié, cette division territoriale n'affecte en rien les liens de fraternité des peuples de la localité. Le fait d'une division géographique, d'une organisation de territoire, n'est pas une transplantation cardiaque. Ceci ne devrait pas changer son cœur vis-à-vis de moi. Si on est des frères, on reste des frères, quel que soit la division territoriale. Il est à noter que le nouveau canton Sandié a fait perdre 9 villages au canton Bouélet, désormais réduit à 8 chefferies.